Je suis tellement stupide. Je suis tellement stupide. Comment ai-je pu être aussi méchante? Je suis désolée. Jamel, je suis désolée. C'était une séance photo pour l'anniversaire de ma meilleure amie. C'était obligé vu que je suis une maquilleuse. On est arrivé plus tôt afin de pouvoir finaliser son maquillage. Vous savez à quel point tout ce tralala prend du temps pour finir. J'avais presque fini avec son maquillage, je faisais juste certaines retouches. Waouh, bébé, tu es si belle! Je sais. J'ai failli oublier. Où est passé ton photographe? Avec toutes les retouches et le maquillage que j'ai fait. Il est supposé être là depuis, non? Il ne devrait pas faire ce genre de choses à ses clients. Où est-il? Laisse-moi l'appeler. Pardon, appelle-le. Ou bien il espère que je vais prendre mon téléphone pour faire toute la séance photo. Je comprends pas en fait. Il ne décroche pas. Il a intérêt de répondre. Il n'a qu'à répondre et nous dire où il est. Vous devez vous calmer s'il vous plaît. Oh, il vient juste de m'envoyer un message. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit il est proche. Il est proche. Juste ça, il est proche. Non mais ça c'est quel genre de photographe? J'ai horreur des gens qui ne prennent pas leur travail au sérieux. Je n'aime pas travailler avec les gens comme ça. Jessica, dis-moi, où est-ce que j'ai trouvé ce genre de personne? Où? Bébé, calme-toi, c'est juste les photos, c'est pas les photos et du mariage. Ce n'est pas une raison d'arriver en retard. Jessica. Ce garde devrait prendre son travail au sérieux. J'ai fini avec le maquillage et on est là, on l'attend. Hein? Laisse-moi l'appeler. Ce n'est pas bien. Salut. Oh, il est ici. J'espère Salut. Que vous êtes déjà prête pour l'un des plus brillants photographes que je suis. Oui, l'anniversaire heureuse est prête. Nous sommes prêtes. Attendez, j'espère que vous êtes en train de blaguer ou vous êtes sérieuse. Êtes-vous sérieuse? Jessica, comment que ça, c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, vous êtes arrivé en retard. Oh, je suis vraiment désolée pour mon retard. Pouvons-nous commencer le shooting? Oui, bien sûr. Oh oui, tu peux le faire sortir. Oh ouais, là c'est super. Tu peux un peu plus lever le pied. Attendez, attendez, attendez. Je vais juste modifier ça. Ok, c'est pas. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. C'est super. L'oiseau qui est fâché. Quel est le problème? J'ai essayé de commander un taxi, mais ils ne font qu'annuler. Cette zone n'est pas accessible à tous les taxis. Qu'est-ce qui est drôle? Tu sais quoi? J'aurais souhaité avoir un miroir sur moi pour que tu puisses voir ton visage actuel. Je te suggère de sourire un peu. L'expression faciale que tu as actuellement ne te convient pas du tout. Sourire ne me fera pas sortir d'ici. Ok, d'accord. Et si? Je t'aidais à rentrer. Me promets-tu de sourire pour moi?
Ok. Je vais sourire. Dans ce cas, permets-moi d'être ton chauffeur. Qu'en penses-tu? Ma voiture est juste. Garée ou parking? Merci. Et pourquoi êtes-vous si gentil? Je fais juste mon travail. Pouvons-nous? Regardez-moi cette beauté. Je n'ai pas encore fini, ne vous inquiétez pas. Quand j'aurai fini, vous... Bébé! Vous n'y croirez pas. Ah, babe, je dois me dépêcher et rentrer. Pourquoi? Ne sors pas. Viens, on fait ci. Viens, on fait ça. Ce gars me veut à ses côtés 24 heures sur 24, meuf. Je me sens tellement emprisonnée. J'ai envie de quitter la maison. Ça, c'est mon ami. C'est ce que la plupart des gens veulent. Ce que les gens veulent, toi, tu ne veux pas. Bref, j'ai toujours su que tu n'étais pas bien dans ta tête. Tu n'es pas normal. Pas toi, pas toi. J'ai besoin de respirer. Et ça, c'est ma méchante amie. C'est l'enfant de qui que tu es en train d'ignorer comme ça. C'est Jamel. Il ne veut pas me laisser tranquille. Toujours à m'appeler. Jamal. Oui. Mon Jamal. Le Jamal que tu as presque tué le jour des photoshoots de mon anniversaire. Ce Jamel-là. Mais c'est vraiment un gentil garçon. C'est vraiment quelqu'un de bien. Tu es tellement curieuse, mon ami. Oh, qu'est-ce qu'il veut? Tu es sérieuse? Oui, on parle, on sort des fois, tu sais. Sortir, s'appeler, s'écrire. Je suis plus concentrée sur mon travail et je n'ai pas assez de temps pour tout cela. Il ne fait que m'appeler. Ce travail. Jessica, est-ce que tu comptes avoir un époux? Ou c'est le même travail qui va t'apporter tout ce que tu veux? S'il te plaît, avant que mes enfants ne commencent à t'appeler tantine grand-mère, c'est là où tu vas réaliser que le temps n'est pas de ton côté. Oui, maman, j'ai écouté. Ok? Ok, oh. Alors, où est-ce que tu m'emmènes après que je finisse, vu que tu ne veux pas rentrer à la maison? Sortons. Où est-ce qu'on va? Moi? Je retourne chez moi pour voir mon mari. Oh, ok. En parlant de toi, je te suggère d'arranger tes choses et de répondre à ses appels. Porte quelque chose de très joli et de sexy que tu as dans tes habits, bien évidemment. Oui. Fais-toi un resto avec lui. Et si tu veux, n'utilise pas de préservatif. Ça, c'est mon ami. Ok, maman, j'ai entendu. Je vais faire ça. Ça ne dépend que de toi. La plus belle. Regarde comment elle brille. Merci. C'est mon ami, oh, et ses doigts sont magiques. Hey! Une make-up artiste et un photographe. Hey! Jessie! Je te souhaite la bienvenue dans mon humble demeure. Merci. Joli appartement. Merci. J'aime bien. Donc, que puis-je t'offrir? On sort à peine du restaurant. Je suis complètement pleine. Merci. Oh, c'est vrai. Oh, j'aime. J'aime bien la couleur de cet article. Où est-ce que tu l'as eu? Jamel, qu'est-ce que tu fais? Jessica, je sais que tu te poseras certainement la question pourquoi j'essaie d'accélérer les choses entre nous deux. Écoute, Jessica, ces derniers mois passés avec toi ont été vraiment exceptionnels pour moi. Cela m'a vraiment fait réaliser ce qui était l'amour, aimer et être aussi aimé en retour. Et je me rappelle toujours ce que je me disais auparavant.
je me disais que tomber amoureux était un conte de fées. Je pensais ne jamais trouver l'amour, trouver quelqu'un qui m'aimerait autant. Jessica, je n'ai plus envie de perdre mon temps. Jessica, regarde-moi. Tu arrives à me compléter. Tamel, je suis émue. Aimerais-tu m'épouser? Est-ce un oui? Oui, je vais t'épouser. Oui, oui, je vais t'épouser. Je te remercie vraiment. Oh mon Dieu, je vais me marier. Je vais te marier et je te marierai encore et encore et encore et... Oh, c'est magnifique. Je l'aime. Merci bébé. C'est d'une beauté. Bébé, regarde ça. J'aime trop. Je vais devenir ta femme. Mon rayon de soleil. Waouh, ceci est un rêve qui s'accomplit pour moi. Actuellement, je me sens comme l'homme le plus heureux de toute la planète. Et je te dois tout cela pour m'avoir permis de t'épouser. J'arrive pas à croire que je suis finalement mariée. Ça a l'air trop beau pour être vrai. Regarde-moi. Je te promets de faire de toi la femme la plus heureuse de cette terre. Je promets de te donner un bonheur et une joie qui ne termineront jamais. Je t'aime.
Je vois que ma princesse est déjà debout. Bonjour, mon soleil. J'espère que mon rayon de soleil a bien dormi. Salut, chérie. Bonjour. Es-tu bien reposée? Oui, j'ai bien dormi. Très bien, même. Oh, c'est du café pour moi. Mm-hmm. Oh, merci, avec bébé. Du bon lait. J'ai trop de la chance de t'avoir. Tu te rappelles la promesse que je t'ai faite? C'est exactement ce que je suis en train de faire. Mm-hmm. Ne suis-je pas la femme la plus chanceuse au monde? Tu peux le répéter à voix haute. Merci, bébé. Devine quoi? Je suis en train de préparer quelque chose de vraiment délicieux. Waouh, sérieusement? J'ai hâte de goûter ça. Mais ce n'est pas encore prêt pour le moment. Pour le moment, pas je le fais. Merci, bébé. Je reviens tout de suite, ok? J'ai très hâte de goûter, donc oh, dépêche-toi. Oh, bien sûr. J'aurai bientôt fini. Je t'aime, mon bébé. Je t'aime aussi, mon cœur. Coucou, mon cœur. Salut, mon cœur. Comment tu vas? Comment vas-tu? Je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. J'ai une longue journée au travail. Tu es toute belle. Tu m'as manqué. Non. Je suis fatiguée, c'est tout. Ok, tu sais ce que je veux que tu fasses? Quoi? Ok, va à l'étage, te doucher et revenir ici pour ton déjeuner. Sérieux? T'as préparé? Bien sûr. Oh bébé, tu n'aurais pas dû faire ça. Je n'aime pas quand tu te mets la pression comme ça. Va juste à l'étage, je rafraîchis okay, quand je t'aide. Ok, au revoir. Ok, je vais avoir un bisou pour ça. Ok, je reviens. Ne fais pas juste que de te changer. Prends également une douche, ok? Jésus. Oh mon Dieu. Merci, j'attends. Inside might not be what you think. Merci beaucoup. Oh mon Dieu. Salut bébé. Bébé? Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Et tu es venu sous la pluie? Tu me manquais à la maison. Je n'en pouvais plus. J'ai donc décidé de venir te rendre visite. Oh, c'est pas possible. Et je peux constater que tu n'es pas très occupée. Ça te dit qu'on a mangé? Tu peux attendre. Je suis juste en train de ranger mes brosses. Je vais te rejoindre très bientôt. Bébé, avais-tu vraiment besoin de venir maintenant? Je suis tellement désolée. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un si merveilleux mari comme ah, toi. Ah ok, j'en ai déjà assez. N'es-tu pas le mari le plus merveilleux au monde? Je dois me mettre. Permets-moi de faire des louanges à mon mari. As-tu encore beaucoup de choses? Non, non, juste attends. Je finis de nettoyer tout ceci. Oh bébé. Ces photos sont tellement belles. Oh mon Dieu. J'aime trop. Surtout celle où tu m'as prise en train de sourire. C'est vrai qu'elles étaient belles. Je l'aime trop. Oh mon Dieu, merci. J'ai passé un bon moment aujourd'hui. C'est grâce à toi.
C'est de mon devoir de constamment mettre un sourire avant moi. Tu sais pourquoi je ris? J'espère que ça n'a rien à voir avec ce que je viens juste de dire. Je viens de me rappeler de la première fois où je t'ai vue. J'étais tellement fâchée, énervée contre toi. J'ai pensé à t'arracher les yeux, littéralement, je te jure. Mais regarde-moi maintenant. Je ne peux pas passer une journée sans toi. Je ne peux pas imaginer la vie sans toi, ni respirer sans toi. C'est suffisant, mon cœur. Eh bien, si tu continues comme ça, tu risques vraiment de me mettre mal à l'aise. C'est pas grave de rougir. Je t'aime, bébé. Oh. J'espère que tu resteras avec moi pour toujours. Maintenant, il veut me faire pleurer. Oh, mon bébé, merci, je t'aime beaucoup. Ma caméra, s'il te plaît. Bébé, regardons les autres photos. Ok, ok. Regardons. Laisse-moi voir. Ceux qui sont sur mon téléphone sont vraiment, vraiment trop beaux. Je vais te montrer. Attends, je veux les regarder après. Viens. Okay. Viens voir, viens voir. Attends. Mon cœur est juste rempli de joie. Oh. Moi aussi. Attends, attends. Laisse-moi éteindre la lumière. Éteindre la lumière. Pourquoi tu veux à chaque fois qu'on éteint la lumière? Qu'est-ce que tu entends par pourquoi? Hein? Tu ne peux pas le faire sans la lumière. Tu en as besoin pourquoi? C'est quelle façon de parler? Bien sûr que je peux retrouver mon chemin même dans le noir. Souvent, tu sais, même si ce n'est qu'une fois en passant, c'est souvent intéressant de voir les beautés que nous offre la nature. Tu vois? Les petits Jamel, et les grandes choses. Ne nous lançons pas dans des sujets pervers, s'il te plaît. Nous gaspillons pas le moment, ok? Peu d'importance. Si cela a vraiment peu d'importance pour toi, pourquoi donc tu insistes à ce qu'elle soit éteinte? Simplement, arrête un peu d'être dramatique. Oh, c'est ce que tu dis. Je suis devenue dramatique maintenant, c'est ça? N'est-ce pas? Tu me traites de dramatique, n'est-ce pas? Écoute-moi, tu n'as pas besoin d'oser le temps pour ça. Même la Bible dit que « Fais de sorte que ta vie soit lumineuse en tant que femme, afin que les hommes puissent voir ta vie. » Voir quoi? Voir quoi? Hein, Jamel, voir quoi? Voir quoi? Non, continue, continue. Continue d'utiliser la Bible à ta guise. Voir quoi? Qu'est-ce que tu penses? Aller au lit, bien sûr. Que penses-tu que je suis en train de faire? Quand tu as eu l'opportunité, tu aurais dû en profiter. C'est typical. C'est très typical de toi. À chaque fois, tu as l'art de rejeter la faute. Pourquoi je ne le ferais pas? Pourquoi je ne le ferais pas? Pourquoi je ne le ferais pas? C'est ce que tu veux, alors fais-toi plaisir. Bonne nuit aussi. Toujours en train de me rejeter la faute. À chaque fois, éteins la lumière, éteins la lumière. Vraiment? Hey! Pas de doute, c'est comme ça que tu es. Tu es une femme vraiment méchante. Ah ah! Ma belle femme que j'adore est toujours endormie. Debout, debout. Bonjour, mon rayon de soleil. Comment tu vas ce matin? J'ai apporté ton petit déjeuner. Jamel. Oui, bébé. Qu'est-ce que cela signifie? Jessica. Honnêtement, je ne sais pas ce que j'ai pu bien faire de mal. Peut-être que je t'ai fait quelque chose qui t'a certainement touché. Écoute, ça va. Je suis désolé. Es-tu malade? As-tu un problème au cerveau? Quoi? Jessica, quel genre de question c'est que ça? Nous avons donc atteint ce niveau où tu souhaites même ma mort? Parce que je ne comprends pas pourquoi tu agis si gentiment. Non, Jessica. Cela n'est pas le point. On ne peut juste pas passer le temps à se quereller pour des choses qui n'en valent même pas la peine. Devons-nous? Jamel, s'il te plaît. Tu peux prendre ce petit déjeuner et l'avaler. Je n'ai pas de temps pour ces idioties. S'il te plaît, prends-le. J'ai dit d'enlever.
Je veux dormir. Oh. Tu peux le manger toi-même. Tu n'as pas faim? S'il te plaît, je veux dormir. Allô? Oui. Je serai là dans peu de temps. Je suis sur le point de quitter ma maison. Ok. Bébé pas travaille aujourd'hui. De toute façon, je sors maintenant. À tout à l'heure. À plus tard donc. Salut les filles. Quoi de neuf les filles? Tu ne m'as pas l'air très joyeux ce matin. Je suis juste fatiguée. Ok, tu sais quoi? Range tout car tes meilleurs amis te font sortir. Je suis pas d'humeur. Hey, qu'est-ce que tu racontes s'il te plaît? Laisse tout ça, range tes affaires s'il te plaît. On y va. Où est ton juste sac? Juste prends ton sac. Allons-y. Laisse tout, on y va. Laisse tout ça, on y va. Mademoiselle, s'il te plaît, on y va. On est même en train de te demander qu'est-ce si que tu veux sortir. Dire? Pardon, on y va. Oui, je sais. Non, en après-midi, ce sera pas possible pour moi. Parce que j'ai un rendez-vous dans la soirée. Oui. Ok, il n'y a aucun problème. Je vais vous rappeler, ok? Ces filles. Mes filles sont là. Tu aimes tellement les bonnes choses. Oui, j'aime la belle vie. En parlant de belle vie, l'anniversaire de quelqu'un arrive. Ça, c'est vrai, Michel. Mais... qu'est-ce que tu prévois? Bien, mon mari dit que je devrais oublier qu'il va s'en charger de tout. Oh, wow. Il se charge de tout? Genre, tu ne vas rien faire. Mm-hmm. Ma chérie, tu es tellement chanceuse. Tu es très chanceuse. Son mari, c'est tellement un amour et charmant. En fait, je veux dire que j'aime la manière dont il s'occupe de toi. Des hommes comme ça ne sont plus vraiment faciles à trouver. Santé. Jessica, tu n'aurais pas un peu de chocolat? Quelque chose pour aller avec ça, par exemple du chocolat ou des biscuits. C'est l'anniversaire de Michel qui arrive, pas la tienne. C'est la seule autorisée à demander quoi que ce soit. Tu as raison. Je demande comme je veux. Donc, les filles, qu'est-ce que vous préparez pour mon anniversaire? Ce n'est pas encore le jour. On va forcément trouver. Oh, tu es même en train de préparer quelque chose. J'ai cru que j'étais le cadeau. Ton charge. Qu'est-ce qu'on je sais. J'étais sûre que j'étais le cadeau. Respecte-toi. Tu sais. Hey, respecte-toi. C'est quoi ça? Tu sais comment j'aime, non? Tu sais ce que je suis.
Mesdames, désolé de vous interrompre, mais il faut que je fasse ceci. Mon amour, je ne sais pas ce que je ferai sans toi dans ma vie. Donc j'ai ce petit cadeau pour toi. Waouh! Une voiture! Oui! Quoi? C'est ta voiture. Laisse-moi prendre une photo, laisse-moi prendre une photo vite fait. Félicitations! Merci, merci, t'en bébé! Prie, bébé. Oh, oh, c'est mon trop bébé! Félicitations! Bon, mesdames, désolé, mais je dois vous laisser. J'ai une réunion très importante. Mais ne vous inquiétez pas, il y a une after party. Wow. Donc, je vous attends là-bas, d'accord? Tout le monde est convié. Au revoir. On se voit après, revoir, d'accord? Bébé. Au revoir. Oh mon Dieu, c'est tellement magnifique. Yeah! Ce qu'il a fait est juste parfait. Elle est tellement chanceuse. Honnêtement. Regarde ce que son mari a fait pour elle. Waouh, on a fini. Waouh! Tu as des doigts magiques, Jessica. Regarde comment tu m'as transformée. J'espère que je ne suis pas plus jolie que la mariée. Et qui te dit que tu ne peux pas, hein? Tu es juste magnifique. Je suis contente que tu aimes ton maquillage. Bien sûr. Je veux dire, qui est la meilleure maquilleuse dans toute la ville? Jay Beauty. Dis-le plus fort. Jay Beauty. J'ai ton numéro de compte. Je vais te transférer. Merci beaucoup. Et n'oublie pas de me taguer quand tu posteras tes magnifiques photos. Ok? Oh, moi, je le ferai. Yeah, d'accord. Merci. Profite bien du mariage. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est bien. Vas-y, c'est magnifique. C'est parfait. Allez, la dernière. Si ça ne te dérange pas, une sans la chaise. Je bouge ça rapidement. Allez. Okay. Laisse-moi t'arranger ça un peu. Voilà. C'est mieux ainsi. C'est bon. C'est mieux ainsi. Ou, espoir. Merci, je crois que c'est bon. Oh, mon cœur. Comment vas-tu? Très bien. Quelle surprise. J'ai pensé à venir te faire un coucou parce que tu me manquais. Hein? On manquait. Oui, oui. Bébé, tu sais quoi? Donne-moi juste un peu de temps pour que je puisse finir avec elle. Ok, pas de problème. Tu sais quoi? Je pense que je vais le passer demain quand l'atmosphère sera bien. Je peux pas travailler avec ça. Oh. Ok. Si tu veux qu'on travaille demain, donc pas de soucis. Ok bébé, laisse. Moi, juste déposer ma caméra et on peut rentrer à la maison. Jamel. Jamel! Combien de fois je t'ai dit d'arrêter de presser le tube du dentifrice au milieu?
Les personnes normales et sensées l'utilisent du bas en haut. Pourquoi tu fais toujours ça? Pourquoi c'est compliqué d'apprendre pour toi? Jessica, ne penses-tu pas qu'il est encore trop tôt pour tout cela? Par-dessus tout, on est marié depuis un bon moment. Mais pourquoi c'est maintenant que tu... Et alors? Pourquoi c'est maintenant que tu commences à te plaindre? Le fait que je ne me plains pas des choses dégueulasses que tu fais dans cette maison ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce que tu fais. Alors là, non. Je ne me plaignais pas avant parce que je me disais que tu réfléchissais, mais apparemment tu ne le fais pas du tout. Tu ne réfléchis pas. Qu'est-ce qui cloche avec toi? Regarde, je suis fatiguée de toujours être derrière toi et ta saleté. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu n'arrives pas à presser la patte de tes fils depuis le bas ici? Tu persistes à le faire au milieu. Arrête! Jessica. Oh, s'il te plaît. Jessica. Jessica. Je m'en vais au travail. Je m'en vais. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Quelle est la nouvelle information que tu me donnes? Pourquoi tu me le dis? Jessica, je t'ai... Quoi? Quoi, Jamel? Mais quoi? Hein? Tu peux partir, prends tes affaires et va rejoindre ta mince saligote de je ne sais pas quoi. Va-t'en, s'il te plaît. Arrête de me déranger. J'ai dit pars. Ok, je m'en vais. Don't let what you see confuse you. Salut, bonjour. Salut. Ah, j'ai oublié de te dire que j'ai retiré tes habits. Oh, elle a déjà terminé. Oui. Je vais passer prendre. T'inquiète, je vais te les apporter. Oh mon Dieu, mon mari. Il ne me laissera pas me reposer, je suis épuisée. Je dois partir. Ok. Au revoir. À tout à l'heure. Au revoir. Mon Dieu. Allô, bébé. J'arrive. J'arrive. Je serai de retour. Je t'aime. Au revoir. Ma chérie, on s'en va, on s'en non, va. Non, t'inquiète pas. Je suis encore là. Tu es ouais. Sûre? Je peux te déposer. Non, 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 t'inquiète. Amuse-toi bien. Prends soin de toi. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Cette fille a eu l'audace de me dire qu'elle déteste ses sourcils, que je devrais les effacer et les refaire. Pouvez-vous imaginer? Non, j'aurais souhaité être là. Confiance, tu la connais, non? J'ai pris une lingette et j'ai essuyé tout son visage et je lui ai demandé de oui. Tous les jours. Qu'est-ce que je t'ai dit? Qui a le temps pour ces bêtises? Elle croyait que je rigolais. Je me suis levée et je lui ai demandé de sortir. Qui a le temps pour les bêtises? La reine des problèmes. Et complètement. Je n'avais même pas remarqué. Waouh, ce bracelet est aveuglant. Ça m'aveugle complètement. Je ne peux... Quoi? Merci. Mon mari l'a acheté. Même toi, regarde ta main. C'est juste... Hé, les filles, ce soir, vous êtes juste en train de m'aveugler. Ce sont juste des choses dont jouit une femme mariée. Je peux voir ça. Nous essayons, nous essayons, nous essayons. Vous êtes chanceuses, les filles. Alors, comment se passent les préparations pour ton anniversaire?
Ma chérie, je n'ai aucun plan et je suis sûre que mon mari n'en a pas non plus. Ne vous inquiétez pas, les filles, s'il y a quelque chose de prévu, je vous ferai signe. Pour l'instant, il n'y a pas de plan. N'importe quel temps, chérie, nous sommes juste nous sommes toi. Avec toi. C'est pas grave. Tu... La fille, je dois partir. Mon mari, vous savez, il vient juste de m'envoyer un message. J'envie tellement ton mariage. Bien. Ma chérie, va avant qu'il ne commence à il se plaindre. Il ne peut pas s'empêcher de te voir. Prenez votre temps, la fille. Juste lui donner du temps. Au revoir. L'amour est doux, oh. Tu peux le dire encore. Est-ce que tu as vu Michel? Regarde là. Regarde-moi. Mm-hmm. Rien du tout. Eh, Seigneur, quand? Jessica, il y a un temps pour tout. Oh, s'il te plaît. Est-ce que mon mariage est différent? Juste une voiture. Peut-être il va te surprendre. Tu ne sais pas. Pardon, celui-là. Non. Bois. S'il te plaît, j'en ai besoin. Mes copines! C'est juste un nom par lequel le monde nous considère. Je te souhaite beaucoup de grandes choses pour ton anniversaire. Je te souhaite de beaux souvenirs. En fait, tout ce que tu te souhaites à toi-même et plus. Merci. Et pour finir, merci amen. Les filles. Cheese. Joyeux anniversaire. Santé. Merci beaucoup les filles. Merci d'être mes amies. Et merci d'être venues en ce jour spécial célébrer mon anniversaire avec moi. Vous êtes juste magnifiques. Damas. Où est-ce qu'il est dans tout ça? Oui. Il est en voyage d'affaires. Il a voyagé pour des affaires. Oh. Donc, pas de fête d'anniversaire pour toi ce soir. Je me suis dit la même chose. Oh mon Dieu, ça c'est mauvais. Peut-être qu'il a préparé quelque chose de grand. Je suis sûre qu'il te prépare quelque chose. Hé, regardez qui nous avons ici. Michel, ton mari. Waouh. Ton bébé est là. Oui. Waouh. Il n'arrive pas à rester loin d'elle. Oh mon Dieu. Salut. Hey, salut les filles. Salut. Comment vous allez? Joyeux anniversaire, Jessica. Merci. Joyeux anniversaire. J'espère que tu t'amuses. Oui, bien sûr. Hein. S'il vous plaît, veuillez m'excuser. Ok. C'est un couple Ils sont adorable. Tellement mignons. Je oui. te jure, la manière dont il aime... la manière dont il adore et tout, vraiment, j'aime trop les voir ensemble. Qu'est-ce qui se passe? C'est ton anniversaire. Ne t'inquiète pas pour ça. C'est ton jour. Combien de fois t'ai-je dit de ne pas venir dans ce genre d'endroit habillé comme cela? Allez, va dire à tes amis que nous partons maintenant. Ok. D'accord. Vraiment désolée, Marie et moi nous sommes attendus quelque part. Oh, pourquoi tu t'en vas? Oui, désolée. Ne vous inquiétez pas, je vais vous appeler. Au revoir, mesdames. Oh, les amoureux. Elle n'a même pas pu boire. Il n'arrive pas à rester loin d'elle. Oh, regarde-la, elle est tellement chanceuse. Regarde-moi, sans mon mari le jour de mon anniversaire. Il reviendra peut-être avec un cadeau, tu ne le sais même pas. Ce jamais que Jamal souffle dans ta main. Quoi. Regarde ça. Il est même venu avec des gardes du corps. Michel. Alex, s'il te plaît, ne me fais pas mal. Qu'est-ce que je t'ai dit à propos des piscines parties? Tu as dit que je ne devrais pas aller. Et tu m'as désobéi. Pourquoi? Jessica est mon amie. Elle a été toujours là quand j'ai besoin d'aide. Pétasse. Écoute, je t'ai marié, elle t'a pas marié. Je te nourris et elle non. Je te donne tout ce dont tu as besoin et même dans 50 ans, Jessica et son mari ne pourront pas te donner cela. D'accord? Utilise un peu ce petit cerveau que Dieu t'a donné. Stupide. Démarre. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux
Joyeux anniversaire, bébé. Je peux savoir ce que cela signifie? Oh bébé, je suis en train de célébrer ton anniversaire. Oh, parce que c'est mon anniversaire, tu veux me tuer, n'est-ce pas? Maintenant, tu as décidé de me tuer le jour de mon anniversaire, Jamel, n'est-ce pas ça? Quoi? Je ne te Tu vas me dire pas. Que tu ne sais pas que je suis allergique au chocolat? Tu n'as rien vu d'autre à m'acheter qu'un gâteau au chocolat, tu veux me tuer, n'est-ce pas? Non, je sais que c'est ton plan. Tu veux me tuer, comme ça tu pourras librement sortir avec toutes ces petites et minces filles que tu emmènes dans ton studio pour prendre des photos, n'est-ce non, pas? Non, non, non. Jamel, n'est-ce pas? Alors, attends, je n'ai pas fini de parler. Qu'est-ce qui est arrivé au magnifique anniversaire que tu devais organiser pour ta femme? Qu'est-ce qui arrive à ça? Ou l'emmener dans un restaurant luxueux, lui acheter des vêtements bien chers qu'elle pourrait porter au travail? Qu'est-ce qui arrive à ça? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui arrivait à acheter des cadeaux bien chers à ta femme ou l'emmener dans une île privée? Tu ne peux pas faire ça, non? Au lieu de ça, tu as choisi de m'empoisonner le jour de mon anniversaire avec un gâteau au chocolat. N'est-ce pas, Jamel? Tu ne veux pas juste m'empoisonner, non. Tu veux que je grossisse. Si je ne meurs pas, je vais grossir. Alors tu pourras courir derrière ces petites minces choses avec leurs minces et fines jambes et leurs petits derrière parce qu'elles veulent être minces. C'est ton plan? Jamel, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Jessica. Marie de la honte. Comment ai-je pu oublier? Elle est allergique au chocolat, oh! Jama, tu es vraiment bête. Jessica, mon cœur. Mon cœur. Salut bébé. Regarde-moi. S'il te plaît. Écoute, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé hier. J'ai complètement oublié pour le chocolat. C'est tellement bête. De ma part d'avoir oublié que tu es vraiment allergique au chocolat. Je t'aime. Je suis la dernière personne sur cette terre à vouloir ta mort. Je préfère mourir en premier que d'entendre que tu es morte. Jessica, mon cœur. Tu n'as pas idée de la manière dont je t'aime. Ok. Jessica, j'ai une belle surprise pour toi en bas. S'il te plaît, suis-moi. Si tu es d'accord à descendre avec moi, alors nous pouvons descendre ensemble. S'il te plaît. S'il te plaît. Merci. Tu viens? Mais qu'est-ce qui ne va donc pas avec vous, Monsieur Charles? Je vous ai même expliqué les raisons pour lesquelles je fais cela. Cela va faire 3 heures de temps que vous m'avez fait perdre ainsi après m'avoir dit que vous étiez presque arrivé. Le pire, c'est que je vous appelais et vous avez simplement ignoré mes appels. Qu'est-ce que cela veut je dire? Je suis vraiment désolé, monsieur. Le problème, c'est que lorsque j'emmenais la voiture, j'ai rencontré quelques petites difficultés. C'est pourquoi ça m'a pris 3 heures supplémentaires. Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Des problèmes avec quelle voiture? Cette voiture, monsieur. Cette voiture-ci? Oui. Je suis sincèrement désolé, monsieur. Sincèrement désolé.
C'est comme si je savais que quelque chose de pas bien allait arriver. Voilà pourquoi j'insistais à la voir depuis hier. Franchement, je ne peux que vous demander pardon, monsieur, pardonnez. Le médecin après la mort, c'est ça? 3 bonnes heures. Monsieur, je suis désolé. Je suis désolé. Oh. Laisse-moi juste avoir les clés, s'il te plaît. Encore désolé, monsieur. Peux juste disparaître de ma vue. Que je sorte, monsieur. Allez, disparaître de ma cour. Et tu oses me demander si tu dois partir? Non, dors ici. Fou. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est... cœur. Ceci, c'est... Qu'est-ce que c'est? C'est la surprise... Jamal, qu'est-ce que c'est? La surprise dont je t'avais parlé. Qu'est-ce que c'est? N'est-ce pas cette vieille voiture qui était garée dehors là-bas, non, juste non, là-bas? Non. C'est ce que tu as choisi de m'acheter le jour de mon anniversaire, Jamel. Quel genre de mari tu es? Non, tu... Quel genre de mari achète à sa femme une vieille voiture d'occasion le jour de son anniversaire? Mais qui fait ça? Jamel, qui fait ça? Comment as-tu osé? Alors tu es allé dans une poubelle, tu as pris une voiture et tu m'amènes ça comme cadeau d'anniversaire? Non. Tu penses que je vais conduire ce déchet ambulant, Jamel? Qu'est-ce qui est arrivé à m'acheter une nouvelle voiture? Qu'est-ce qui est arrivé à m'acheter une Jeep où je ne mérite pas de conduire de bonne voiture? Non, Jamel, tu as choisi de m'acheter une poubelle déjà utilisée. Une voiture qui vient de... Ne me touche pas. Regarde pas quoi, Jamel? Regardez quoi? Tu penses que je vais rentrer dans cette voiture? Tu es en train de rêver. Jessica. Tu penses que je vais conduire cette bêtise? Tu penses que je vais conduire cette voiture? Non, tu aurais dû m'emmener une poubelle et me le présenter comme un cadeau. Ça aurait été mieux que ça. Tu es inutile, un mari inutile. Tu veux que je conduise cette voiture nigérienne? J'aurais géré une Mercedes. Mais non, mais Jamal, tu veux toujours m'embarrasser. Regarde ce que tu veux me faire conduire dans la ville. J'écoute, qu'est-ce que tu as à dire? Jessica, tu devrais plutôt essayer de voir l'effort que j'ai fait. Oh. L'effort que j'ai mis dans cette voiture. Oh. Donc tu as gâté ton temps, ton énergie et tes efforts pour me ramener une poubelle? Non, j'aurais dû ramener la poubelle directement, ça aurait été beaucoup Jessica. Mieux. Tu m'as entendu? Honte sur toi, Jamel, honte sur toi. Laisse les voisins entendre que j'ai épousé un homme inutile. Tu ne vaux rien. Oui, qu'ils m'entendent. Qui s'en soucie? Tu es sans vergogne d'acheter à ta femme une voiture d'occasion. On ne fait même pas de taxi avec ce genre de voiture. Peux-tu juste taire? Je ne vais pas me Qu'est-ce taire. Qu'est-ce que cela veut dire? Peux-tu juste taire pour que je puisse te donner des explications? Qu'est-ce que tu veux me Bien dire? Bien sûr que tu ne sais pas ce que je veux Qu'est-ce dire. Qu'est-ce que tu veux me dire? Quoi? Que je devrais prendre ce déchet comme un cadeau? Qu'est-ce que cela veut dire? Jessica, ne me pousse pas à bout. Qu'est-ce que tu vas faire? De me pousser. Qu'est-ce que tu vas faire, Jamel? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas finir par me rendre fou. Je suis vraiment malade et fatigué de telle histoire. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire avec cette voiture? Oh, folie? Maintenant, laisse-moi te montrer à quoi la folie ressemble. Je vais te montrer à quoi la folie ressemble. Voilà ce que je fais de ton cadeau. Je la déteste. Marie de la honte. Je la déteste. Je te déteste aussi. Quoi? Jessica. Jessica. Jessica, qu'est-ce que tu viens juste de faire? Bonté divine, tu sais combien je viens de dépenser pour juste acheter cette voiture comme cadeau d'anniversaire? Reviens ici, qu'est-ce Jamel, que ça veut dire tout ça? Tu veux me tuer? Oh, écoute-moi, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Avec tout ce Arrête que je fais pour toi, c'est comme ça que tu me remercies? Jamel! N'importe quoi. Quel gros n'importe quoi. Jamel!
que j'entende encore mon nom de ta bouche. Ah! Jamel, tu vas me tuer aujourd'hui, c'est ce que tu veux? Tu vas Viens, me tuer amène-toi. Aujourd'hui. Jamel, tu vas je me n'en tuer. Peux plus. Je suis fatigué. Tu vas me tuer aujourd'hui. Je suis fatigué de toi, je n'en Tue-moi. Peux plus. Tue-moi. Ah! Jamel, Jamel. Je ne comprends pas. Tu as eu à faire un accident de voiture dont tu ne m'as pas parlé? Qu'est-ce que c'est que ça? Jamel. Toi et Jamel, vous avez eu un accident de voiture et tu n'as rien dit? Jamel m'a tapé. Tu veux dire mon Jamal a eu à te faire ça? Le Jamel que tu connais, juste un ange, mais derrière se cache un visage de démon. Bébé, je suis tellement désolée. Quel que soit ce que c'est, s'il te plaît, vous devrez vraiment trouver une solution à ça. Cela n'est vraiment pas beau à voir. Désolée. Cela me rappelle. Tu as eu des nouvelles de Rachel? Non, j'ai essayé de l'appeler une à deux fois, mais elle n'a... Elle a répondu? Non, elle n'a pas répondu, donc je me suis dit elle est occupée. Depuis la dernière fois qu'on a eu à fêter ensemble pour ton anniversaire, je n'ai pas de ce nouvel aide, décroche pas mes appels. Mon Dieu, j'espère qu'elle va bien. Ok. Chérie, écoute, laisse-moi le temps d'aller chez Michel et voir comment il va et ensuite après je reviendrai vers toi pour savoir comment tu vas aussi. Je pense que tu devrais. Je suis désolée vraiment, quel que soit ce que c'est, vous deux essayez d'arranger la situation, ok? Essaye de prendre soin de toi, je reviendrai, ok? Dis-moi si tu as de ces nouvelles. Ok, faut faire doucement, hein? Ouch! Oh! Ouch! Ma tête! Oh! Ma tête! Oh! 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 Mon bras! Ouch! Oh! Oh, oh mon Dieu, ça fait mal. Aïe, je peux même pas bouger. Oh. Mon dos. Ah, oh. Oh. Oh, ma tête, ma main. Ah, mon dos, je peux pas bouger. Ah. Ma tête. Oh. Jamel. Jamel. Où étais-tu? D'où reviens-tu? Je te parle. D'où reviens-tu? Réponds-moi. Où étais-tu? Ah! 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 Jamel! Ah! Oh mon Dieu! Ah! Ah! Oh! Sometimes the painting might look good from the outside, but don't let it fool you. Jamel. Jamel, nous n'avons plus de nourriture dans cette maison et j'ai besoin d'argent pour ça. Tu m'as entendu?
Je n'y peux rien. Qu'est-ce que ça signifie? Jamel! You see, confuse you. Où étais-tu? Pas d'appel, pas de message, tu ne réponds même pas. Je sais. Et tu as manqué tellement plein de choses. Tu étais hors des réseaux sociaux. J'ai dû appeler ton mari, c'est lui qui m'a dit que tu étais hors du pays. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Je peux expliquer. Comment ça expliquer? Ok, je suis disponible toute la journée. Oh bébé, oh, je sais même pas par où commencer. Depuis le début, comme j'ai dit, j'ai toute la journée. Tu sais, j'ai l'impression d'avoir été silencieux pendant une longue période. J'ai été pris sous pression pendant un certain temps maintenant. Il y a des moments où j'étais terriblement prêt à me faire du mal. C'est par la grâce que je suis encore là. Rachel, peux-tu me dire exactement ce qui se passe? Tu sais, je souhaite un point dans mon mariage. Je ne savais pas si je devrais rester ou quitter mon mari. Tu sais, mon mari est gentil, aimable et drôle. Mais arrivé à un temps, il semble avoir caché et devient toxique. Je suis désolée. J'étais dans un grand silence. Il n'aime pas parler des problèmes. Mais laisse un coup de poing travailler à sa place. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Alex? Times the painting might look good from the outside. Rachel, je suis tellement désolée. Tu aurais dû en parler. Je suis désolée, ma belle. Je suis désolée. Je vais bien. T'inquiète, c'est bon. Non, pas du tout. Oui, je suis sûre que c'était la bonne. Elle est magnifique. Je suis sûre qu'elle était très belle en tant que mariée. Je suis sûre de ça. Son maquillage n'était pas compliqué. C'était vraiment facile à gérer. Je te jure, je suis tellement contente d'être de retour à la maison. J'ai juste fait 2 semaines, mais j'ai l'impression d'avoir fait 2 mois. Il pleuvait du dollar et de l'euro. Toutes les monnaies, Naira, l'argent partout. Oui, mais je suis tellement contente d'être à la maison. Il n'y a aucun endroit comme la maison. Oui. Jamel, je pense pas qu'il soit à la maison maintenant parce que il est supposé être au studio à cette heure-ci. Oui, je sais. Je suis tellement contente d'être de retour dans la maison, finalement. Oui. Mais tu sais quoi? C'est juste... Jamel! Ah, ah.
What you heard might be deceiving. I just want to focus on the things that I know. You get your loss from the things you've seen. You get your loss from the things you've heard. But you don't know what's going on the inside. You should make do with what you have. As you make your bed, that's how you lie on it. Bébé, j'ai pensé comment les choses ont pu tourner depuis que nous avons commencé à vivre dans cette maison en tant que mari et femme. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, mais l'irresponsabilité n'a jamais été parmi ceux-là. Je sais que j'ai échoué dans mes devoirs et responsabilités en tant qu'épouse. Si tu décides de me pardonner, je promets que je serai une meilleure personne, une meilleure épouse, une meilleure compagne. Jamal, je t'aime tellement. Je ne peux pas te laisser partir. Je ne peux pas laisser ce qu'on a partagé juste mourir comme ça, s'il te plaît. Tu me manques. Je veux vraiment... Fais-moi tes mains du mien. Tu n'auras plus rien venant de moi gratuitement. Tu veux de mon amour, alors tu dois le mériter. Mon respect, donc mon temps et mon énergie, tu dois désormais le mériter. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus rien de gratuit. J'irai voir un avocat pour soumettre une demande de divorce si ce que toi et moi on partage ne signifie plus rien pour toi. Je ne peux pas continuer comme cela avec toi. Et ce qui affecte ma santé mentale ou ma joie, je préfère le laisser partir que de le supporter. Je ne peux plus gérer tout ça. Si ce que nous partageons ou ce que nous n'a pu partager ne signifie plus rien pour toi. Je préfère que l'on prenne tout simplement des chemins opposés. Jamal, je suis en train de te parler. Jam. You get your loss from the things you've heard. But you don't know what's going on the inside. Make do with what you have as you make your bed.
That's how you lie on it. Jeannette, elle est toujours en retard pour tout, cette fille. Yamal, s'il te plaît, calme-toi. Rien ne se résout avec la colère. Veuillez m'excuser mes manières, Madame Adouké. C'est bon, juste calme-toi. Je suis désolé. Ceci peut se résoudre. S'il te plaît. Bienvenue. Contente, madame. Heureuse de vous voir encore. Bienvenue. Prends place. Je ne sais même pas par où commencer. Exactement. Pouvons-nous juste accélérer les choses pour qu'on puisse gagner un temps? Je le savais. Je savais que tu étais tellement heureux d'avoir ces papiers de divorce. Je savais que tu avais un plan depuis qu'on s'est marié. Moi qui pensais que j'avais trouvé les os de mes os. C'est clair que je m'étais trompée. Cette femme ici présente me rend davantage nerveux. Pouvons-nous juste signer les papiers pour que je puisse rentrer chez moi tranquillement sans poser de problème? Pouvez-vous vous calmer? Jessica, j'ai juste une question à te poser. Je vous écoute, madame. Par curiosité, je veux juste savoir pourquoi tu as fait tout ça. Est-ce mauvais d'en attendre un peu plus de son mari? Jessica, j'ai certaines choses à te dire. Je crois que c'est 6. Écoute-moi, Jessica. Un homme t'appelle bébé ne signifie rien. Un homme vient habiter avec toi ne signifie rien. Un homme t'appelle sa petite amie ou sa femme ne signifie rien. Un homme te donne un enfant ne signifie rien. Je suis sur le point de te blesser, ma chérie. Un homme te marie ne signifie rien. Tu sais ce que tout cela signifie? Un homme qui est prêt à changer sa vie, ses manières pour te garder, ça signifie quelque chose. Tu ne pourras pas procéder maintenant, mais j'ai peur que cela soit trop tard. Jamal, tu es sûr que tu veux faire ça? Stylo? Ok. Tiens. Merci. In a world where there are so many distractions, I just want to focus on what I believe. What I believe. Tout ça, c'est ma faute. Jessica, tu devrais aller doucement avec. Tu devrais aller doucement avec lui. Les filles, merci beaucoup d'être là pour moi, de me supporter. Vous êtes juste les meilleures. Merci aussi, Jessica. Tu es tellement gentille. Tu sais ce qu'est ton problème? Quoi? Besoin de passer à autre chose, d'oublier Jamal. Ce n'est pas facile. Les déceptions sont comme un verre de glace qui a été brisé. Tu ne peux pas les fixer, pas vrai? Oh, certaines peuvent. Si tu fais un essai, tu dois juste faire un choix. Chérie, tu as besoin de réarranger ta vie parce que tu mérites encore d'être heureuse. Je dois mettre la faute sur vous deux. Oui, je mets la faute sur vous deux. Jessica, pourquoi la faute te revient entièrement? Rends-toi coupable toi-même de tes propres erreurs. Personne ne t'a dit qu'on vivait la vie d'Aloca avec nos maris parce qu'on n'a pas envie d'étaler notre linge sale en public? Toi aussi. Mais à quoi servent les amis? On est supposé se partager nos problèmes et croire que ça va rester entre nous, justement. C'est entre nous. Pourquoi nous ne le faisons pas? C'est ce que les amis font. Jessica, c'est bon. Je comprends comment tu te sens. Bien? Les filles,
tu vas retrouver ton mari. Comment? Crois-moi. Oui, juste regarde. On l'aura. Allô, maman. Bonsoir. S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Bonsoir, maître. Bonsoir. Content de vous voir. De même ici. S'il te plaît, je peux te parler. Oh, bien sûr. Rentrez. Mais je suis pas seule. Pouvons-nous entrer? Jamal, tu as le droit de nous foutre dehors de ta maison. Et si tu le fais, je ne prendrai pas mal. Mais s'il te plaît, je veux que tu lui donnes une chance. Et écoute ce qu'elle a à te dire. Bébé, la tristesse, la solitude, tout cela, c'est ce qui est dans ma vie quand je ne suis pas avec toi. Je m'excuse d'avoir autorisé mon amour pour le matériel m'emmener à une place sombre. Mais m'excuser ne pourra jamais changer la façon dans laquelle je me suis comportée, l'embarras dans lequel je t'ai mis, comment je t'ai traitée. Je sais que tu me détestes actuellement, je sais que tu ne veux plus me parler, mais s'il te plaît, n'oublie pas les souvenirs que nous avons partagés, tout ce que nous avons vécu ensemble, toutes ces choses qui nous ont fait comprendre que nous étions enfin l'un pour l'autre. Je suis désolée. J'ai perdu ma vie, j'ai perdu ma joie, j'ai perdu mon bonheur parce que je t'ai blessée. Bébé, je suis tellement désolée, s'il te plaît.
S'il te plaît, pardonne-moi. Et s'il te plaît, Jamel. S'il te plaît. S'il te plaît, Jamel. Je veux que tu reviennes. Tu me manques. S'il te plaît. Je suis désolée, je te jure que je le suis. Je suis désolée, bébé. S'il te plaît. Tu m'as beaucoup manqué. Mon travail ici est terminé. To focus on the things that I know. Sometimes the painting might look good from the outside, but don't let it fool you. The inside might not be what you think. Yeah. Don't judge a book by its cover. All the glitters are not gold. They are not gold. Yeah, yeah. Don't judge a book by its cover. All the glitters are not gold. They are not gold. Yeah. The sound of bitter cola is not the same with the taste. Don't you wash your dirty linens outside. You should make do with what you have as you make your bed. That's how you lie.